Eh, mais il y a le Castellanos. Comment elle va le Castellanos? Bah ouais, ça va. J'ai déjà streamé un peu tout à l'heure et puis là je reviens, je faisais une petite vidéo rapide sur Roselyne Bachelot. Du coup, on va reprendre. Hier, j'ai recommandé ta vidéo des fraises dans un stream là. Ah ouais? C'est sympa, merci. Quoi, 114 personnes l'ont vu? Mais t'es un ouf, toi. Les petites vidéos commentaries sans montage, sans rien. De toute façon, ça sert à rien de faire du montage. Les vues, elles sont tellement aléatoires. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire des montages sur ces vidéos-là. Parce que je vais passer peut-être 2 heures à faire un montage, derrière ça fait 100 vues. Du coup, c'est du temps perdu. Il vaut mieux tout faire un peu à l'arrache comme ça. Et puis, advienne que pourra. Attends, j'ai un petit problème là. J'ai même plus... comment ça se fait? Ah oui. Moi je trouve ça... Que comme ça c'est top, pas de chichi. Oui, pas de chichi. Bah d'ailleurs j'ai une vidéo qui a été validée par... l'équipe de YouTube. J'ai rien demandé. Ils sont passés sur une des vidéos. Et ils ont validé la monétisation. C'était celle de Poutine. Ce qui est absolument... comment on va dire... C'est étonnant parce que j'ai une vidéo notamment la police sur les fraises Tagada. J'ai demandé l'évaluation parce qu'ils voulaient la démonétiser, mais il n'y a rien dedans. Finalement, elle était remonétisée automatiquement. Et je pense que la vidéo de Poutine elle est passée en non monétisée. Et il y a un gars de l'équipe de YouTube qui a dû la regarder et qui s'est dit: mais attends, mais il n'y a rien de spécial en fait dans sa vidéo. Et en conséquence, eh bien, la vidéo, elle a explosé. Elle est passée à 2400 vues. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà, voilà. On est toujours dans le combat, de toute façon. C'est un combat, la chaîne YouTube. On est dans le combat de la survie. Et on survit. Le battle. Et je pense que on serait mort. Enfin, on serait pas loin de la mort si j'étais resté sur le jeu vidéo. Quand je faisais plus beaucoup de vues. Enfin, du moins, on aurait totalement stagné, quoi. Et nous avons le REM4. Du bruit matinal, j'ai mal. Enfin non, de toute façon, j'aurais pas pu continuer jeu vidéo, parce que je joue quasiment plus. À part quelques jeux comme ça. J'aurais pu continuer le jeu vidéo, si j'avais eu une console. Parce que les jeux sur console m'intéressaient plus. À un moment que les jeux PC. Néanmoins, il était... inconcevable de dépenser... euros et euros dans une console. Voilà, voilà. Bon, on va continuer le jeu.
Je vais peut-être faire un live sur YouTube tout à l'heure, je vais voir. Je vais réfléchir. Peut-être à mettre faire un truc ce soir. Faut que je trouve un game. Ah si, j'avais trouvé Outward. Outward, mais j'ai plus de place sur le PC. Il y a une version GOG, il a l'air sympa ce jeu de rôle. Donc il faut que je libère de la place sur mon SSD. Notamment. Ah, c'est aussi, j'ai le The Long Dark, c'est pour ça. J'ai le The Long Dark sur le PC que je vais pas jouer non plus. Et puis il faut aussi que je regarde un petit peu ce que je peux supprimer. Bah sur Steam j'ai rien, j'ai que Fall Guys. J'ai aussi Paper Please qui traîne. Et puis je crois que c'est tout. C'est bizarre que mon DD il soit plein comme ça. Ah, c'est peut-être mon dossier After Effects qui est trop plein. Je sais pas, faut que je regarderai ça tout à l'heure. Bref, on va jouer. Nous allons jouer. Ah, Ash of Gods, on continue l'histoire. Ah, par contre, ouais, si vous n'avez pas suivi le jeu, vous allez totalement être perdu. Malheureusement, c'est. C'est ça quand il y a des gros jeux comme ça, des jeux de rôle et tout. Donc, là nous sommes avec Thorn, le héros du début du jeu, qui doit aller dans un camp parce que son fils a été capturé par des cannibales et on va tenter de le sauver. Et il y a des gens à notre trousse qui veulent nous tuer. Ce n'est autre que notre beau-frère, je crois, ou quelque chose comme ça, je sais plus. Bref. On s'est déguisé. Et d'ailleurs, elle est enfermée au camp de cannibales de. Et ce sont des bandits. On s'est déguisé en bandits pour pouvoir s'infiltrer dans le camp. Donc on va aller à l'auberge déjà parce que. Ah, remarquons les mercenaires. Dès que nous sommes arrivés, vous êtes directement venus ici. Vous allez vouloir rester, j'imagine. Et ça, ce sont des mercenaires qui nous ont aidés à sortir d'une prison dans laquelle nous étions enfermés, condamnés à mort. Et ces deux jumelles sont venues sauver. Tu crois donc qu'on va rester à se saouler? Non, on n'est pas des amatrices et on doit trouver un peu de courage avant de partir pour les terres perdues. C'est par là que tu vas, pas vrai? Ah merde, je sais plus qui est qui. Que penses-tu de passer par les terres perdues, Andra? Nous n'avons pas vraiment le choix, il faudrait faire un détour sinon. Nous perdions beaucoup de temps alors, ils ont très certainement envoyé quelqu'un à notre poursuite. Ne va pas nous décevoir maintenant. Ouais, parce que aussi elles sont très un peu sexes. Elle disait le gars d'avant qui nous avait engagés, bon, le mec il pouvait pas faire quoi que ce soit. Il était pas intéressant. Et donc elles ont déjà dit au barbu que. Et une disait qu'elle était intéressée. Je me fiche pas mal de vous décevoir ou pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est sauver mes enfants. Les terres perdues sont le plus court chemin pour se rendre à Friga. Alors oui, il va falloir être courageuse. Et je le serai. En fait, je me sens de plus en plus courageuse à chaque seconde qui passe, au point que j'ose même te demander où tu comptes passer la nuit. Ouais, tu vois le truc. Tu veux compte passer où la nuit? Tu veux venir dans mes draps? Tu es une grande fille, Andra, mais tu manies mieux l'épée que l'humour. Très bien. T'as vu que l'humour. Bah lui, de toute façon, il va pas dire oui, puisque ça. Sa femme, elle est morte, il y a même pas. On est à 15 jours, il y a 2 semaines. Alors le mec, il va pas aller avec une autre là. Bon, allez, on va au marché. Au marché, qu'est-ce qu'on a? Oh, il y a plein de cartes. Alors j'ai fait le plein d'argent aussi parce que j'ai trucidé un commerçant et j'en ai ligoté un autre. Hein. En mode bandit, quoi. Augmente l'attaque de 10. Bah tiens, on va acheter ça tout de suite. Vampirisme. Réduit la santé de 20 à une unité ennemie aléatoire et augmente l'énergie à 20. Ah bah c'est génial ça. J'achète. Échange la santé et l'énergie à toutes les unités ennemies et échange. Ah non, non, ça c'est horrible. Et enfin, on a des trucs comme ça. Oh! Vitesse de marche plus 2, mais c'est génial ça.
Ah mais c'est 4000, putain. Comment c'est cher. Déjà on va prendre ça, les chapelets. Ça on ne s'est obligé, parce que les Strix c'est pour se déplacer, c'est comme des dés. Des dés, il faut gratter des dés. Est-ce qu'on peut vendre des trucs ou pas? Ce qui est chiant c'est que tu peux pas vendre. 22 Strix ça me paraît cher quand même. Moi j'ai envie de prendre ça. Vas-y mec, je prends ça. Vas-y mec. Vas-y mec, je prends ça moi. Je prends les deux, j'ai plus de thunes, m'en fous. Ouais, c'est dédé, faut gratter dédé. Et nous allons au camp. Voilà. Le sergent est tellement heureux de voir le chariot qu'il ne se donne même pas la peine de vérifier vos documents. Ah oui, parce qu'aussi on a détroussé un bandit pour s'infiltrer qui avait attaqué un chariot de marchand. Et il y avait le choix de prendre les marchandises, de laisser une partie des marchandises ou de laisser la totalité des marchandises. Et moi j'ai dit, bah on prend une heure, on re-remplit le chariot et on y va. Et donc voilà ce qui se passe. Vous avez tout de suite à entrer. Alors que vous allez repartir, un étranger s'approche de vous. Ses vêtements, son visage et même ses manières vous font une bizarre impression. Sa conduite a l'air amicale, mais son sourire est tellement perturbant que vous portez involontairement la main à l'épée. Ah. Eh, du calme, l'ami. Pas besoin de s'exciter. Je suis sûr que vous ne vous souvenez pas de moi, mais moi j'ai immédiatement reconnu votre visage. Merde. Mon nom est Elm et je me demandais si vous alliez à l'ouest. D'abord, je suis pas votre ami. J'ai aucune idée de qui vous êtes. Qui plus est, qu'est-ce que ça peut bien faire où je fais? Vous êtes Thorn, pas vrai? Oups. Ah, peut-être qu'il a connu quand il était gamin. Vous avez pris de l'âge, mais vous êtes toujours aussi revêche. Nous avons fait campagne ensemble quand j'étais plus jeune, même si vous avez dû connaître des milliers de soldats comme moi. Mais je vous ai vu aujourd'hui, je me suis dit, qui d'autre que Thorn, le fou, oserait traverser les terres perdues? Vous voudrez peut-être d'un coup de main. Imaginons que je vous crois et que vous me reconnaissez réellement, mais moi je ne peux pas en dire autant, et de plus parmi les mille soldats qui ont voyagé avec moi, il n'y avait pas que des honnêtes gens. Ah! Et qu'est-ce que vous faites là d'ailleurs? J'aide le sergent avec des petites choses, il me confie certaines tâches, mais le salaire est mauvais, et les récentes nouvelles sont encore pires. Elles sont mauvaises mais intéressantes, c'est ça, vous avez entendu parler de la guerre qui arrive, vous voulez votre part du gâteau. On peut dire ça, mais être mercenaire, ce n'est pas être voleur. Et je suis si loin de la guerre, du mauvais des côtés perdus. Il n'y a rien pour moi ici, c'est normal que je veuille partir. Je n'ai jamais compris les mercenaires. Vous pensez à vous au lieu de penser aux autres. Mais qui suis-je pour juger? Pourquoi j'aurais besoin de vous? C'est pas tous les jours qu'on traverse les terres perdues, pas vrai? Je connais un guide qui s'y rend régulièrement. Il ne s'y trouve pas toujours non plus, mais les autres n'osent même pas regarder dans leur direction. Qu'est-ce qui vous fait croire que je pourrais lui faire confiance? Moi aussi, à votre place, j'aurais du mal, mais je l'ai vu guider des gens dans les terres perdues et les ramener en vie aussi. Une telle personne vous serait bien utile, je pense. Je le pense aussi, je pourrais même tolérer votre compagnie si votre ami vient avec nous. Mais dites-moi, pourquoi avez-vous besoin de moi si vous avez déjà un guide? Ah bah voilà, quelle question! Je n'oserais jamais traverser les terres perdues juste avec lui, c'est tout. Mais avec votre groupe, en plus, on devrait pouvoir réussir à passer. Réussir à passer quoi? Moi, je lui dirais. Bien, on y va. Très bien, je vais aller dire à Score, notre guide, on va pouvoir traverser tranquillement avec vous. Mais c'est bizarre, attends. Vous n'êtes pas le premier à penser que je pourrais lui venir en secours, mais ne voyez pas comme votre père. Je ne comprendais pas votre place non plus. Ne vous inquiétez pas, je suis tout à fait capable de briser des crânes tout seul. Mais c'est important d'être entouré de personnes de confiance. Rien de pire que d'être abandonné au milieu de nulle part, entouré d'ennemis partout. Vous êtes un honnête homme, c'est pour quoi c'est à vous que j'ai demandé. Ok. Je me souviens pas de vous et ignore tout de votre soi-disant honnêteté. Je vais donc vous avertir une seule fois. Tentez quoi que ce soit d'étrange, je vous couperai la tête. Super sympa le mec. Toujours sympa quoi. Le mec est toujours aussi cool. Allez, on va monter les levels. Sop. Sop, 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 sop. Frappe furieuse. Augmente votre contre-attaque de 9. Ou alors augmente la santé. Bon allez, on va prendre ça. On va prendre les compétences où il y a 1 et puis on remettra
sur des compétences plus avancées ultérieurement. C'est un marteleur. 5 points de compétence pour le marteleur. Il a combien d'attaque de base? On sait même pas. Ah si, stat du perso, il a 11 d'attaque. Waouh! Ce qui est plutôt intéressant. Très intéressant. Comment est-ce que je sors de cette fenêtre de stat là? C'est mal foutu ça, on sait pas. Ah voilà. Eh bien, augmentons son attaque à 13. C'est quoi ça? Augmente votre énergie quand une unité meurt. Wesh. Inflige 14 de dégâts et réduit la défense unité ennemie. Plus 5 à l'énergie. Il a des problèmes d'énergie peut-être. Et j'ai une compétence en plus. Inflige 14 de dégâts et repousse un ennemi. Augmente votre énergie de 42. On va prendre ça. Andra. Tir rapide, tir repoussant. Tiens, on va augmenter ça. Thorn. Abri. Non, Thorn, on va continuer à monter. Plus 3 à la défense. Ah non, c'est nul cette capacité, j'utilise pas. Ça alors. Ou ça. Onde de choc. Très bien. Ah voilà, faut soigner le groupe parce qu'il y a des blessures. Ça va nous coûter combien? 21. Impeccable. Tout est revenu à la normale. Et ce qui m'embête, c'est qu'on va se retrouver à enlever un des persos là. Qui a une loyauté basse, moyenne, élevée, moyenne. Je pense que je vais enlever Andra ou l'autre. Je vais enlever Fauchta. Et on va mettre Helm. Il faudrait que quelqu'un puisse plus se déplacer. Attaque 9, attaque 9. Il a quoi comme objet, lui? Putain, mais ces objets, ils ont disparu, what the fuck? Mais c'est quoi ces bêtises? Mais quelle est donc ces conneries? Regardez les objets, ne sont plus là. Ah, voilà! On peut remettre les objets. Paf! Rune de sagesse. Plus d'XP pour qui? Pour Ramlin. Plus d'énergie pour Ramlin. Et puis c'est bon. Et nous avons Favzorus. Como esta Favzorus? Bon, c'est pas le stream le plus passionnant. Tu remarqueras qu'il y a peut-être personne. C'est un stream qui est plus pour constituer une base de let's play en gros, parce que il y a peut-être personne sur le stream, mais dans les visualisations des vidéos, elles sont un petit peu regardées. Par exemple, on a quoi? Du 50 visionnage? Du 40 visionnage? Du coup, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Si, Bibi, et puis bien sûr, je dirais que si on fait les jeux en fonction des viewers, on ne joue plus, quoi. On ne fait plus les jeux un petit peu en dehors des fagots, comme ça. Les jeux un peu avancés. Ou alors on les fait hors stream, mais je me dis, tiens, bon, au lieu de jouer dans mon coin, si jamais une âme passe par là, eh bien elle peut visionner Ash of Gods. Si, si. T'as jamais pensé à faire un feat? Bah, j'ai demandé...
parfois quelques occasions, mais il n'y a jamais eu de fit. Après, j'ai jamais trop fréquenté le milieu des youtubeurs. Oula, attends. Putain, je fais bien d'aller sur YouTube parce qu'il y a un mec qui a mis un com de merde. Du coup, faut que je le vire. Signalé pour incitation à la haine. Voilà. C'est fait. Ouais, avec le crif. Ouais, non, maintenant je fais gaffe en commentaire parce que je pense que les commentaires sont surveillés par YouTube. Il y a une analyse qui est faite. Parce que j'ai des vidéos, par exemple sur Pyrorca, il y avait les deux vidéos qui étaient monétisées. Elles ont été ensuite démonétisées. Après, j'ai fait le tri dans les commentaires. Et les vidéos sont repassées monétisées. Donc ça signifie bien qu'il doit avoir une analyse du bot de ce qui se dit. Et à partir des mots qui sont évoqués, ça doit te classer la chaîne, je pense. Donc maintenant, je regarde. Enfin, je peux pas non plus tout regarder, mais je vérifie un peu plus. Parce que la problématique de surveiller les commentaires... Eh bien, c'est que psychologiquement, tu te prends des messages négatifs, en fait. Tu lis, tu te prends des doses de négativité dont t'as pas besoin. C'est pour ça que j'évite en général de trop lire les coms sur les vidéos, par exemple, genre Sarkozy, trucs comme ça, ou Zemmour, ça n'a pas d'intérêt. Vous rassemblez vos compagnons, attendez Helm à la porte, mais à votre surprise, c'est le seul qui se présente. Mais où est donc ce guide? Vous êtes sûr de ne pas l'avoir inventé? Il va dire c'était moi. Ce dingue est déjà parti, nous le rattraperons sur la route quand nous arriverons aux terres perdues. Vous devez partir avec ou sans guide, très bien. Allez, on y va. Alors, il le fait... Galopez à droite, au besoin sera plus facile pour moi de vous découper en petits morceaux. Gare à vous si nous ne nous rencontrons pas score ou c'est fait complètement inutile. Et voilà, nous prenons nos chevaux. Alors on voit les petits personnages, est-ce qu'on peut zoomer ou pas? Ah non, on peut pas. Normalement, ils ont dit qu'il était à ma droite, hein, normalement. Mais je le vois pas. Hein. C'est un mensonge. Il n'y a qu'un perso devant, là. Pourquoi tout le monde descend? Oula. Helm! Vous n'avez pas dit que nous rattrapions le guide? Nous n'aurons peut-être même pas besoin, en fait. Il y a un genre de route ici. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas servi, on dirait, mais elle est encore visible. J'ai entendu dire qu'elle menait droit de l'autre côté des terres perdues. Elle m'est visiblement nerveux. Tout le monde l'emprunterait si c'était si facile que ça de traverser sans guide. C'est très simple de trouver une route, mais passer est une toute autre affaire. On ne peut plus vraiment le renvoyer à présent. Regardez, le voilà, nous le rattrapons. Vous remarquez plus loin un cavalier qui progresse doucement sur la route. Votre groupe le rattrape bientôt, il arrête alors son cheval et met pied à terre. Vous faites de même et vous en rapprochez. Ah! J'espère que vous faites bonne route, l'ami. Vous êtes score, n'est-ce pas? Ah, il nous regarde avec mépris. Je ne crois pas que nous ayons été présentés, l'ami, mais je connais votre compagnon. Tu as trouvé des amis pour te protéger, c'est ça, Helm? Ah merde! Nous avons un choix décisif, il y a la plume en bas à droite. Si je prends en considération l'histoire, on n'a pas reconnu Helm, donc je lui répondrai que ce n'est pas mon ami. Sauf que je ne sais plus comment il a parlé du guide. Est-ce que Helm a dit que le guide était son ami ou pas?
Parce que si je réponds à son ami qui n'est pas mon ami, c'est mauvais. Alors que si je réponds pas ça, ça ira. Et je ne sais plus! Non! Il a dit je connais un guide, je connais un guide, et bizarrement il est parti avant. Il est parti avant. Ouais, donc il y a embrouille. Il y a embrouille, il y a embrouille. Ah, ça y est, il est content. Avec un grand sourire, aucune importance. J'ai perdu son contre-fiche. Amis ou pas, les corps finissent tous dans le même tas. Nous n'avons pas été présentés, mais cela est facile à résoudre. Mon nom est Thornbrennan, et je vous suggère de rejoindre mon groupe. Réfléchissons un instant. C'est une bonne suggestion. Je dois traverser les terres perdues, tout autant que vous. Je n'aimerais pas le faire sort, et il vous faut un guide. On raconte que vous venez souvent ici. Qu'est-ce qui vous attire dans cet endroit maudit? Et vous alors? Je pense pas qu'elle amènerait des psychopathes avec lui, mais vous avez vos raisons. Le fait que nous sommes... vous avez raison, l'étude de se mêler des affaires des autres. Acquiescent. Une longue route nous attend, nous parlerons peut-être plus tard. Puisque vous laissez peu parler de vous-même, peut-être voudrez-vous m'en apprendre un peu plus sur cet endroit, tant que vous m'épargnez l'habituel baratin du temple sur le châtiment et sur la repentance. Oui, il ne faut que compliquer les choses. J'étais un moine errant avant, j'ai entendu ce qu'en racontait le temple, mais personne ne sait ce qui s'est vraiment passé ici. De cela, je n'ai aucun doute. Et une chose est claire également, une puissante sorcellerie a transformé cette terre et l'a même altérée d'une certaine manière. Je vois, vous ne comprenez toujours pas. C'est comme si un royaume étranger, étranger aux humains, avait commencé à s'insinuer dans cet endroit et à déplacer ceux qui s'y trouvaient avant. Nous ne sommes pas à même de voir ce nouveau royaume. C'est pourquoi il est si dangereux. Vous ne saisissez toujours pas? Vous avez une manière bien alambiquée de vous exprimer, j'ai à peine à vous croire. Certains racontent que les seuls dangers des terres perdues sont bien ceux que les gens y amènent. Qu'en pensez-vous? C'est peut-être correct, c'est comme si les saletés d'ici étaient attirées par les vermines d'ailleurs. J'ai du mal à exprimer autrement, le temps passe curieusement dans les terres perdues, mieux vaut donc ne pas trop en perdre. Restez groupés, suivez-moi et ne quittez pas la route, c'est bien compris. Ah! Ça sent la baston, moi je vous dis. Baston. C'est la baston! Et là, on va voir un énorme truc. Il y a quelque chose qui va apparaître là. Attends, le plan est en train de s'élargir. Une vingtaine de loups morts jonchent la route. Ils ont été réduits en morceaux. Les chevaux deviennent nerveux, vous essayez de les calmer de la voix. Quelques anses morts sont également là, cela ne présage rien de bon. Une intersection se présente bientôt, avec elle des bandits masqués de blanc qui vous attaquent aussitôt. Ouais, bon, bref, on va se... On va se fighter. Il y a encore quelqu'un qui a pris un level, apparemment. Et qui c'est qui a pris un level? Ah, il y a Score qui est là. Mais Score, c'est un moine, il a dit qu'il fightait pas. Par contre, il peut soigner les gens, et ça c'est excellent ça, par contre. Ça nous ferait un soigneur dans l'équipe alors qu'on n'en avait pas jusqu'ici. Alors est-ce que ça vaut... Ah mais de toute façon, on peut pas le mettre dans l'équipe, si. C'est impossible de le prendre, enfin, de ce que je vois en tout cas. Ouais. On peut pas le prendre. Bon bah on y va. Alors, ces Ents, ce sont du... Quoi, ils ont 80... Il a 85 de santé, celui-là. What the fuck? Bon. Lui, il a que 40 de PV, c'est quand même moche. Formation triangulaire.
On est bon. On va augmenter l'attaque tout de suite de celui qui va partir à l'assaut. Allez, on commence. On augmente votre défense et l'attaque de 2. J'augmente sa défense de 10. Non, c'est quoi ça? Il nous attaque avec du feu, ma santé tout de suite. C'est horrible ça, ils lancent des sorts maintenant, le feu. C'est quoi ça? Pilier de cendre. Oh la vache! Inflige 24 de dégâts. Il peut te two-shot. Va falloir être très prudent ou le descendre assez vite. Lui. Faudrait que je regarde les sorts qu'ils ont. Lui, il a quoi par exemple? 7 points. Inflige 20 de dégâts à la stat sélectionnée. D'accord, ça devient un peu chaud. Là. Chaud, chaud, chaud. On va essayer de libérer le passage. Berserk. Oui, il faut absolument tuer l'autre là. Alors, en attaque de masse, on a tout le carré, donc si je me mets là, ça fait ça. Il faudrait plus aller là, je touche les 3. Si je vais là, je peux toucher les 3 là. Non, je vais mettre au milieu. Boom! Double dead. Oh la vache. Mais c'est une sorte de boss lui. On va le repousser. Dégage! Archer. Ah, il va pas... Voilà. Feu. C'est quoi ça? Voilà. Voilà, voilà. C'est quoi ce truc qu'il nous a fait? Moi, c'est quoi ça? Oula.
Bon. Inflige 14 de dégâts. Attention. Bon, je me focus sur le plus costaud. Putain, mais il rejoue deux fois de suite, what the fuck? Mais n'importe quoi! C'est quoi ça? Mais abusé, il a joué deux fois de suite. Tiens, coup de marteau sur ta tête. Vite, faut le tuer là. Ah, je peux pas. Lui, il a que des attaques sur l'énergie, donc bon, il est un peu inutile. Ah, mais j'ai pas un truc 3 peut-être à utiliser. Ah non, je vais utiliser ça, réduit la santé de 10. Voilà, j'ai eu le plus costaud. Ils sont plus que 2. Ça commence à attaquer. Oh tiens, on va utiliser ça. On va utiliser toutes les cartes, tiens. Moins 15 de def. Et le marteleur arrive dans son dos. Poum ! Et il est immobilisé. À lui. Ah, il est plus vraiment immobilisé là. Cesse de dégâts. Oh! Il nous faudrait un tir. Pourquoi il a pas ça? Le tir exténuant. Ah, il a pas d'énergie. Merde. Que 9 d'énergie. L'autre il le booste au détriment de sa santé. Elle sert à rien, elle peut jamais se déplacer. Inutile. Et là on se prend un coup encore. Ce qui va finir par nous coûter cher. Et en plus, il continue à bouger, ça marche même pas son étourdissement. Alors, sinon, je peux faire ça, ça repousse les deux.
Aïe, 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 aïe. Deuxième à terre. Bon, on va pouvoir le tuer. Deux blessures. 2350 or. Augmentation de level. Et nous avons 5 endroits différents. C'est quoi ce bruit là? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Un bruit bizarre. Je sais pas. Ah mais c'est un... C'est quoi? C'est Ail et Enoch. D'accord, ok. Très bien. Quatre chemins, la route abandonnée, la voie de l'inconscience, l'issue marchande. La voie de l'inconscience, c'est quoi? Le chemin le plus court. La voie du néant. Je vais prendre la voie de l'inconscience. Non. Je vais prendre l'issue marchande. Un groupe disparaît apparaît soudain pour tenter de vous bloquer. Lorsqu'ils sont prêts, vous remarquez leurs yeux globuleux et leur bouche écumante. Ils ont de toute évidence perdu l'esprit. Bah, je les bute. Comme ça, on prend de l'XP. Nouveau niveau pour Thorn. Pour Flit, archer. Tireur d'élite. Ah, mais j'ai encore un level pour Fauchia. Je sais pas du tout, un médecin. Oh la vache, ils sont 8. Oh, c'est quoi ce paysage là? Attaque 9, 11, 9. On va les attendre. On va rester à distance. On va certainement pas foncer dans le tas comme on le ferait à l'habitude. Moins 10. Il est passé en mode berserk. What the fuck, il peut attaquer comme ça, lui, il peut marcher sur tout le terrain, lui. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Dégage de là, bouge de là. Archer, veuillez tirer sur l'adversaire.
Et en voilà deux à terre. Vous avez perdu la raison. Aïe. Thorn. En avant. Trois. Descendu. Tiens. Tenez. C'est moi, Thorn. Archer, décocher, flèche. Les bandits tombent les uns après les autres. Allez, augmentation d'attaque sur lui. On va utiliser une carte, je pense. Non, même pas. Deux. Danger. Ils approchent. Ah, je pense qu'il va attaquer... Ah non, c'est bon. Je pensais qu'il allait attaquer l'archer. Le problème, c'est là qu'il va, il va rejouer derrière, donc faudra un coup fatal. Ça. Voilà. Il n'y a ni jour ni nuit dans les terres perdues, vous montez simplement le camp. Quand vous êtes fatigué, vos compagnons se placent où ils le peuvent. Certains s'affairent tandis que d'autres se reposent. Quand ça s'y écarte, commence à écrire quelque chose sur un parchemin. On entend soudain un loup, vos compagnons se lèvent d'un bond, cherchent d'où vient le hurlement, mais le guide reste impossible d'essayer de briser la glace et d'aller lui parler, ok. Quand vous approchez, cache ses notes, le mépris se lit. Ah, il veut pas me parler. N'entendez-vous pas le loup hurler, la bête nous suit très certainement, ou du moins va-t-elle à l'ouest. C'est là qu'il y a la guerre, c'est là qu'il y a les corps, c'est un véritable festin qui attend les loups. Une seule chose me tracasse, y a-t-il quelque chose ou quelqu'un qui les appelle? C'est très simple, la mort a sa propre odeur, je ne parle pas de la chair morte, mais de l'odeur de l'âme qui va quitter son corps. C'est l'odeur de l'effroi brut que sentent les bêtes. Je comprends, c'est probablement pas une odeur, c'est comme une attaque cardiaque, une douleur, blablabla, ok. Pourquoi vous êtes donc venu ici? Le problème, c'est que je me souviens pas. Pas moyen de me rappeler. Après être repassé une première fois, je me suis souvent senti attiré ici. Beaucoup ressentent ceci.
C'est quelque chose qui nous pousse à venir, mais qu'on ne peut pas réellement expliquer. C'est pareil pour moi. Ne me regardez pas comme ça, je suis venu ici autrefois. Nous sommes passés avec la section, mais je ne me souviens plus vraiment pourquoi. Quant aux impressions, vous avez raison, elles sont très familières. Ce n'est que maintenant que je m'en souviens. Cet endroit dégorge de magie. Pas étonnant que personne ne vienne. Certains disent même qu'on peut rencontrer la mort ici. C'est faux, mais si l'un de vos proches est mort, il est possible de le rencontrer ici. Pas pour de vrai, cependant, ce sera plus un spectre. Il pourra même vous révéler quelque chose d'important. N'oubliez surtout pas si ça vous arrive, j'ai toujours avec moi une plume et un parchemin, c'est beaucoup plus sûr pour de telles occasions. Et me voilà ici, regardez autour de moi, résiste surtout que j'ai oublié tout cela. Tout est si lugubre, si hostile. Moi aussi j'étais comme ça, mais alors j'ai commencé à revenir ici, j'ai lu tout ce que je pouvais sur les terres perdues, j'ai ratissé les bibliothèques du temple. J'ai rien découvert, c'est une énigme que je n'ai jamais pu résoudre, elle est comme... Et c'est comme si j'étais toujours sur le point de me souvenir de quelque chose, mais je ne parviens jamais. Voici donc ce qui s'est passé. Emma qui me demandait pourquoi ce maudit endroit vous intéressait tant. J'espère que je ne serai pas cédé comme ça, j'ai encore mes enfants à sauver. Très bien, allez, on y va. Le chemin qu'on prend n'a pas vraiment d'importance, on ressort toujours au gué des marées. Et comment reviendrez-vous après? Je pense pas que beaucoup aiment cet endroit comme vous. Je me demande si je reviendrai même. Vous êtes étrange, vous n'êtes pas un soldat, mais vous êtes audacieux. L'endroit ne se soumettra cependant pas à vous. Et moi non plus, je ne me soumettrai pas à lui. Reposons-nous un peu. Ok. Sympathique. Ah, il y a la route du marais, mais c'est 92 trix ou la voie du marchand. Bah, voie du marchand, direct. Ouais, je m'en fous, moi j'attaque. J'ai même pas lu, je prends l'XP direct. Qu'est-ce que je m'en fiche? Putain, mais on peut pas augmenter plus l'attaque d'un membre du groupe, sinon je prends le moine. Hein. Après, on peut augmenter la défense. On va faire un switch. Et au niveau des cartes, est-ce qu'on peut changer? 4 sur 7. Je vois pas l'intérêt, l'autre il augmente bien l'attaque de 2, mais au-delà de ça, c'est 0 franchement. Donc on est en plein milieu, on ne peut pas bouger. On est coincé aux quatre endroits. Ok. Bon, on bouge pas. Non, je peux augmenter la santé. Bah non, on va commencer par un tir mortel. Ah mais non. C'est con faire ça. Et un en moins. On va se focus sur celui qui est là.
Et on soigne. Et j'ai bien fait, puisqu'ils avaient prévu de l'attaquer. Très très bien, stratégiquement c'est pas mal. Attention, ça attaque le moine. Ils sont plus que deux. Oh la vache, il a sorti une attaque totalement folle. Les ennemis sont au focus sur elle. Et sauf que je lui redonne de la santé. 4 et 6. Ah, donc les attaques dans le dos, ça a l'air d'être efficace vu toute la santé qu'il a enlevée. Bien que ça n'a pas l'air d'avoir de changement. Je sais pas comment il a fait autant de dégâts. Bon bah deux blessures. Ah là là, lui il est bientôt mort. Encore une blessure et c'est fini pour lui. Des silhouettes humaines se trouvent sur la route d'en face, on bientôt qu'il s'agit de statues. Ils les regardent tous dans la même direction, vous remarquez un vieux coffre. Il ne porte pas de verrou, aucune marque. J'examine les statues. Est-ce qu'on ouvre le coffre? Non, on poursuit la route. Ça pue ton coffre. Un homme assis au côté du chemin, et pourtant il est là. Il a étalé devant lui une étoffe où il a placé différents articles. L'Artem vous voit, bonjour, voyageur, mon épave, regardez donc mes marchandises. Il dit que c'est la première fois que je vois ça, les terres perdues m'ont très souvent, j'ai jamais rencontré de marchand. Je le vole. Quand vous approchez de Pav, il disparaît sans laisser de traces. L'herbe où il se trouvait n'est pas du tout aplatie, son rire résonne toujours. D'accord, on saura jamais. Ah ça y est, on va sortir des terres.
Nous sommes engloutis par les ténèbres. Vous se trouvez bientôt dans un endroit inconnu. Le bourgmestre est Machoudin devant vous des ténèbres. Alors, avez-vous trouvé un cadeau pour votre chère femme, fantôme de Trouble? Vous hochez la tête sans bien comprendre ce qui se passe. Oui, mais que faites-vous là, baron? Monsieur, n'êtes-vous pas? Eh bien oui, mais je n'allais plus vivre bien longtemps de toute manière et ça ne me dérange pas. Ce que j'avais en réserve pour vous... Et je dois partir. Je veux juste m'assurer que votre présence ici n'était qu'un simple hasard. Il est trop tôt pour que vous soyez là. Ah! Vous essayez d'aller vers Trouble, mais il disparaît dans les ténèbres. Vous ne savez pas quoi faire, ni où aller, ni aucune lumière, tout est silencieux. Je vais vers la gauche. Le visage de votre femme apparaît dans les ténèbres. C'est impossible, Leki, c'est toi! Vous essayez de vous approcher de votre femme, mais malgré tous vos efforts, vous n'y parvenez pas. Tant, mon amour, souviens-toi, la tour blanche! Son image commence à s'en aller, vous courez, mais tombez bientôt sur vos genoux. Leki, pardonne-moi! Le reste de Leki disparaît dans les ténèbres, vous l'entendez murmurer. La tour blanche, Thorne, notre fils! Macht! Vers l'avant. Il y a Fisk. Ah oui, Fisk, il est crevé au menhir. Ça, c'est de la surprise. Je veux te dire, tu n'es pas le premier idiot venu, il y a de très importantes choses à faire. Fisk, je suis navré, je t'ai pas accordé d'importance. Si seulement j'avais plus foi en toi. S'il te plaît, Thorne, me prends-tu donc pour un imbécile? Ça fait longtemps que j'étais prêt à ça, bien avant que j'arrive là, en fait. Et j'ai enfin plus aucune décision à prendre. Cet endroit n'est pas pour toi. Vers l'arrière, il y a quoi? Krieger. Oh non, Krieger. Tu es en vie, oui. Pardonne ma sottise, tu veux bien. Je n'ai jamais voulu me transformer en cette chose. J'étais fatigué et un peu perdu dans tout ça. Je me suis fait avoir par ce sort. Ah, il n'y a pas le temps, ça approche, c'est presque là. Une silhouette inconnue émerge des ténèbres. Qui ferait par ici? Qui es-tu, étranger, pour cette aventure? Et là, montre-moi ton visage. Vous tordez, hurlez de douleur, suffoquant, vous allez pouvoir prendre votre respiration et ouvrez les yeux. On reprend conscience dans les terres perdues, le rêve n'a semble-t-il duré qu'un instant et vos compagnons ne se sont aperçus de rien, on dirait. Bizarre. Vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas? J'ai vu ma femme décéder. Vous avez même probablement entendu quelque chose, pas vrai? Souvenez-vous-en bien alors, les morts ne mentent pas. Même si le message a l'air très curieux, il dit toujours vrai. Avant même que répondiez, Score se met à rire, puis repart avec le groupe. Vous auriez beaucoup aimé poursuivre cette conversation entre guides, c'est un homme très étrange. Ah ah, on s'entend bien avec le moine. Bah, il comprend ce qu'on a vécu, quoi. C'est un point commun. Voilà, le guide a fait son travail. Si vous avez des questions ou des réclamations, je serai près du chariot du marchand. Bon, il y a des voyous. Je menace les voyous. Allez, les voyous, je les dégage comme d'hab. Les voyous à la poubelle. Les voyous à la poubelle. Salut, Meganico. Comment va, Meganico? Meganico. Bon, ça va, et toi, comment ça va? Bah, je pense que je vais pas tarder à stop le stream, parce que je fatigue. Faire une petite pause, quoi. Car cela fait... Je sais même pas, je fais combien de temps de stream. Attends, je regarde, c'est combien de temps que je stream. Ti-di-di-di, 1h08. Mais j'ai déjà commencé un peu avant. Peut-être 3 heures de stream. Allez, sélectionner une carte. Non, on s'en fout. On va upgrader tout ça. Et...
Putain, mais j'ai plein de level. Tout le monde a augmenté de level. Sop. Santé augmentée pour Sop. Où ça? Brett. Helm. Mais Helm, il est quasiment mort, lui. Mais il y a encore quelqu'un qui a gagné l'XP, c'est qui? Andra. Mais Helm, il est complètement KO, le mec. Alors, on va éviter qu'il meure. T'es matinal. Positionnement. Putain, mais il y a combien de bandits là? Il y en a une tonne. Décalez-vous. Il y a trop de bandits, mon gars. Moins 10. On va les attendre. Moi je m'en fous, je pourrais jouer mes cartes après. Donc on va se mettre en position. Mettez-vous en position. Dégage. Malotru va. Allez, on va augmenter sa défense. Parce qu'il va sûrement se prendre une attaque. Oh, j'avais même pas prévu ça. L'archer qui s'y met. Petit effronté. Tiens. Les trois à terre. Allez. Faut pas nous faire yèche, mon gars. J'arrive. Tiens, garde ton gourdin, Aladdin.
Attention, nous avons un saleté d'archer derrière. Non, on va faire un tir mortel sur lui. Et nous avons le Maxime. Allez ! Transpercé. Ils sont pas très coriaces, ces bandits. Bah le Thorn, je l'ai bien boosté, donc il devient costaud. Surtout avec son attaque de masse. Là. Et lui, il veut vraiment venir là, lui. Tu vas dégager, mon gars. Dégage. Voilà. Au dodo. T'as un problème, toi? Tu vas dégager. Ah non, je lui fais que 13 de dégâts, c'est triste. Moi, je vais attaquer l'autre, là. L'archer. Tiens. Il s'occupe même pas de moi, cet archer de merdasse. Transperçage du bandito. Et l'autre qui s'acharne toujours sur le même. Malotru, j'arrive. Putain, il est en mode focus. Petit effronté. J'augmente sa santé. Ah oui, ça me sert à rien de faire ça. Ah si, j'ai récupéré 4 de vie. Mais je vais t'avoir dans le dos. Paf. Victory. 120 Strix. Mais c'est énorme. Mais c'est ça, faut tous les tuer dans ce jeu. Mais il y a Rask du début du jeu qui est là. Gleda paraît. Et Gleda ! Vous êtes stupéfait. Ne parvenez pas à contenir vos émotions, elle a éteint. L'aise est heureuse et semble que tout ce que vous avez enduré n'a finalement pas été vain. C'est heureux que vous soyez occupé de ces bandits. Je sentais bien qu'il fallait les arrêter. Je l'ai su dès que j'ai vu leur sale tête. Tu as toujours une si bonne intuition. Moins cette vermine est nombreuse et mieux ça vaut. L'important c'est que toi et Gleda soyez en vie, mais comment diable as-tu trouvé? C'est elle qui m'a trouvé. Deux femmes, une âgée nommée Sheila et une plus jeune appelée Philia, me l'ont amenée. Elles m'ont dit d'attendre ta venue, j'ai donc attendu. Je dois me rendre au camp à présent, j'ai des choses urgentes à y faire. Viens m'y retrouver plus tard, d'accord? Zach et Sim, vous souvenez alors, je n'ai pas envie de me bagarrer avec les gardes et je peux éviter blablabla. Alors, ce que vous observez un instant, puis vous dit avant de partir, présente-toi sous un faux nom et dis-leur que tu es venu me voir. On réglera les documents plus tard. Ah! Ah! C'est difficile à croire, mais je ne sais pas comment je suis arrivé ici. J'étais caché dans la cave et écrivais une lettre à Bran. Après ça, je me souviens de rien. Sauf que quand j'ai ouvert les yeux, Rask était là et puis t'es arrivé. Ah! C'était de la magie, on ne peut plus faire un pas sans tomber dessus. Sheila m'a dit avant de partir que je me souviendrai de tout en temps utile, mais pas avant, mais assez, parlez-moi. Que fais-tu ici? Mac est en danger, il est prisonnier près de Frigga, je vais donc m'y rendre. J'ai eu des visions interperdues un peu comme un rêve, et Licky était là aussi, il m'a dit que Mac se trouvait dans une genre de tour blanche. T'as vraiment vu maman? T'as entendu sa voix et tu lui as parlé? Oui, je pense que c'était important. Incroyable, moi aussi je veux traverser les terres perdues quand tout sera terminé. Mieux ne vaut pas, c'est trop dangereux je crois, le mieux pour toi serait d'aller voir ton grand-père. Il va falloir m'attacher à un chariot pour ça ou que Mac et toi m'accompagnent, c'est toi qui vois. Tu n'oserais tout de même pas me désobéir. Je suis ta fille, j'ai de qui tenir, je ne supporterai pas que l'ancienne nouvelle, blablabla, d'accord. Et bah, je vais m'arrêter là, moi. Je perds ma voix. Je reviendrai plus tard.
plus terre dans le terre-terre. Parce que ce jeu, on fait que de lire, de lire, de lire. Et n'empêche, je suis en difficulté 3 sur ce jeu, je pourrais la descendre. Hein. Pour que le jeu soit plus facile. C'est beau ça. Et ok, bon, à plus tard, ouais. À plus tard. Parce que là, j'avais quasiment 4 heures de stream, j'arrête là, moi. Je suis en difficile 3. Bah non, ça va. Gigateuf.